J'ai reçu des invitations plus courtoises. Je suis Cassandra Pentagast, chercheuse de la Chanterie. Et vous cherchez quoi, au juste ? Le héros. Lequel ? Vous savez très bien pourquoi je suis ici. Il est temps de vous mettre à table, messire nain. On raconte que c'est votre spécialité. Que voulez-vous savoir ? Tout. Commencez par le début. Des éclaireurs. Il nous faudra bien les affronter tôt ou tard. Dans ce cas, prenons position ici. Préparez-vous au combat. Tenez-vous. Nous ne tiendrons pas éternellement. Avec un peu de chance, ils seront à court d'engeance. Les voilà. Dois-je m'en occuper ? À vous l'honneur, ma sœur. Yeah!
pas jamais? Mensonge, ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. Cela ne correspond pas à ce qu'on vous a raconté, chercheuse? Les contes ne m'intéressent pas. Je veux la vérité. Qu'est-ce qui vous fait croire que je connais la vérité? Ne me mentez pas. Vous le connaissiez avant même qu'il ne devienne le héros. Quand bien même, j'ignore où il se trouve actuellement. Avez-vous bien conscience des enjeux? Laissez-moi deviner. Votre précieuse chanterie tombe en ruine et à cause d'elle, le monde entier est menacé d'une guerre. Et vous avez besoin de quelqu'un pour recoller les morceaux. Dès le début, le héros s'est trouvé au cœur des événements. Puisque vous ignorez où il se trouve, racontez-moi tout ce que vous savez. Vous ne craignez pas que j'invente des histoires? Pas le moins du monde. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. L'Enclin s'était abattu sur Ferelden. Les engeances affluaient des terres sauvages et ne laissaient aucun répit à l'armée au cœur des ruines d'Ostagar. Le combat fut un massacre. Le roi Kaylan mourut au combat, trahi par le général en qui il avait une confiance aveugle. La voie était libre et la horde marcha sur l'Oken. Le village fut mis à feu et à sang. Des centaines d'innocents trouvèrent la mort. La famille du héros parvint à s'enfuir de justesse. Je crois que c'était les dernières. Pour l'instant. Puisse le Créateur nous sauver. Tout est perdu. Tout ce que votre père et moi avions bâti. Je sais combien Lothering comptait à vos yeux, mais il faut partir. Oui. Vous avez raison. Nous aurions dû fuir avant. Pourquoi avons-nous tant attendu? Pourquoi nous regardez-vous? Nous fuyons depuis Ostagar. Écoutez-moi bien. Les engeances peuvent nous trouver d'une minute à l'autre. Par pitié, écoutez votre frère. Alors allons-y, passez devant. Soyez... Yeah!
J'ai un peu de repos. Attendez, où allons-nous ? Loin des engeances, à votre avis ? Et ensuite, nous ne pouvons nous contenter d'errer sans but ? Où que nous allions, il est primordial de ne pas nous séparer. Nous pouvons aller à Kirkwall. Kirkwall ? Vous croyez que c'est une bonne idée ? Enfin, mère, Kirkwall grouille de Templiers. Je sais, mais nous y avons encore de la famille et un toit. Alors rendons-nous à Gwaren pour prendre un bateau. Si nous survivons jusque-là, je me contenterai de partir d'ici. À mon camp. Pas tant que je vivrai. Arrête de bouger, Wesley. Ça va empirer. Restez à l'écart, apostat. Le Créateur a un sacré sens de l'humour. Les engeances, maintenant un Templier, je les croyais tous hors de Lothering. Les intentions des engeances sont claires, contrairement à celles des mages. L'ordre prescrit... Wesley. Cette femme est un apostat. L'ordre prescrit. Allons, ils nous ont sauvés. Le Créateur peut comprendre. Bien sûr. Je m'appelle Aveline Valen, et voici mon mari, Sir Wesley. Nous pourrons nous haïr à notre guise une fois que nous aurons échappé à la Horde. Drôle de moment pour chasser des apostats. Ses compagnons sont partis avec les prêtres de la chanterie. Je faisais route vers Denerim pour le compte de l'Ordre, mais je me suis dirigé vers le sud lorsque j'ai su pour Ostagar. Le manque de chance et de discernement nous a conduits ici avant l'attaque. Le gentil Templier s'est laissé convaincre de remettre à plus tard sa chasse aux mages illégaux. C'est suffisamment clair, là ? Sage décision. Comment se présente cette blessure ? Je risque d'avoir du mal à manier l'épée, même après guérison. Tu pourras compter sur moi, comme toujours. Pour le moment, nous vous suivons. La route vers le nord est barrée. Nous avons à peine échappé au gros de la Horde. Nous sommes pris au piège. Les terres sauvages sont au sud, il n'y a plus d'échappatoire. Nous n'avons pas le choix. Les engeances nous cernent, nous allons au sud. Je n'arrive pas à croire que les engeances soient arrivées ici si vite. Attention ! Ils sont là ! On se replie !
Le convoi... Nous devons nous hâter jusqu'aux terres sauvages. Non, c'est impossible. Espèce de monstre sans âme! Carver, le combat est terminé. Tout va bien. Désolée, madame. Votre fils n'est plus. Ah.
Non, ces choses ne m'enlèveront pas, Carver. Carver s'est sacrifié pour nous sauver. Je ne veux pas d'un héros. Je veux mon fils. Comment avez-vous pu le laisser donner la charge? Votre cadet! Mon petit garçon! Mère, il ne faut pas rester là. Carver n'aurait pas voulu se sacrifier en vain. Permettez-moi de recommander l'âme de votre fils au Créateur, madame. Poussière tu étais, poussière tu redeviendras. Ô Créateur, fais place à tes côtés pour ce jeune homme. Apaise notre souffrance par la paix qu'il trouvera dans l'éternité. Je ne t'oublierai jamais, Carver. Nos vies ont certainement plus de valeur pour lui que nos prières. Partons. Oh non. Nous arrivons trop tard. C'est pas... On se replie. Son arme. Ça ne finira jamais. Eh bien, qu'avons-nous là? Nous n'avions jamais de visiteurs dans les terres sauvages, et voilà qu'ils débarquent en horde. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans votre intervention. Moi, si. Vous auriez péri, et vous le pouvez encore. Si vous comptez fuir les engeances, sachez que vous allez dans la mauvaise direction. Attendez, vous n'allez pas nous laisser là? Ah, tiens donc. J'ai eu une vision des plus étranges, un ogre très puissant, vaincu, qui pourrait bien faire pareille chose. Mais ma curiosité étant assouvie, vous êtes en sécurité. Pour l'instant. N'est-ce pas assez? Nous pouvons rejoindre Kirkwall nous-mêmes. Kirkwall? Mince, vous parlez d'un voyage. Votre roi ne va-t-il pas vous manquer, hein? Lothering est perdu, et tout Ferelden va bientôt suivre. Il faut partir. Je vois. Précipité dans le chaos, combattez, et le monde tremble sous vos pas. Chance ou fatalité? Je ne saurais dire. La chance semble nous sourire aujourd'hui. Je peux peut-être vous aider. Nous apprécierions tout ce que vous pourrez faire pour nous. Nous ne devrions pas lui faire confiance. Nous ne savons même pas ce qu'elle est. Moi, je sais. C'est la sorcière des terres sauvages. Certains me nomment ainsi. Ou Flemette, ou Ashabel Anar, la vieille sorcière qui parle trop.
Quelle importance! Voici mon offre. Je vous aide à passer la horde, et vous, vous vous chargez de faire une petite livraison pour moi, non loin de votre destination. Feriez-vous cela pour une sorcière des terres sauvages? Peut-on lui faire confiance? Wesley est blessé. Nous n'échapperons pas aux engeances. S'il le faut, laissez-moi. Non, j'ai promis de traîner loin d'ici s'il le fallait, et j'étais sincère. Qu'est-ce qu'une sorcière des terres sauvages, au juste? Une légende chazinde. Des sorcières qui enlèvent des enfants. Bah, comme si je n'avais rien de mieux à faire. Vous êtes un mage apostat? Tout comme vous, oui. Nous n'avons pas d'autre choix. Jamais. Il y a un clan de Dalassiens près de Kirkwall. Apportez cette amulette à Maretari, l'archiviste. Faites exactement ce qu'elle vous demandera de faire, et nous serons quittes. Mais avant de vous escorter, où que ce soit, il reste une chose. Non, laissez-le en paix. Ce qui a été infligé à votre mari coule déjà dans ses veines. Menteuse! Elle a raison, Aveline. Je sens la corruption grandir en moi. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Le seul moyen que je connaisse, c'est de devenir garde des ombres. Et ils ont tous péri à Ostagar. Pas tous. Mais ceux qui restent sont hors de votre portée. Aveline, écoute-moi. Ne me demande pas ça. Je refuse. Pitié. La corruption est une mort lente. Je ne... C'est votre époux, Aveline. Je ne peux décider de son sort. Sois forte, mon amour. La paix a un prix. Il fallait le faire. Cela n'ira guère mieux avec le temps. Votre lutte débute à peine. Flemeth! Je pensais que ça pourrait vous intéresser. Vous espérez me faire croire qu'un mythe a surgi des terres sauvages pour sauver le héros? Allons, soyons sérieux, chercheuse. Faut-il que je vous conte également l'histoire du garde des ombres? Non. Peut-être son implication ne devrait-elle pas me surprendre. Je dois avouer que je préfère ma version. Que me cachez-vous encore? A-t-elle envoyé quelqu'un avec le héros? En quelque sorte. C'est donc vrai. Continuez. Mais si vous me dites qu'ils ont tous rallié Kirkwall à dos de dragon... Rien d'aussi farfelu, rassurez-vous. La sorcière tint sa parole et les conduisit à Gwarel, où ils prirent la mer. Ils mirent cap sur le nord et traversèrent la mer d'écume et ses redoutables. Deux semaines s'écoulèrent ainsi, dans l'enfer de la cale, dans la peur et le désespoir. Et c'est là qu'ils virent Kirkwall, la cité des chaînes. Jadis, la cité appartenait à l'Empire. Des esclaves de tous horizons travaillaient nuit et jour dans ses carrières. Maintenant, Kirkwall est libre. Même si c'est un bien grand mot.
Si vous longez les flancs de ces sombres falaises, vous verrez la potence vous accueillir comme elle accueillait les esclaves. C'est là que leur navire accosta et qu'ils débarquèrent avec tous les autres. Personne pénétrait dans la cité. Quoi ? C'est impossible ! C'est vrai, regardez-les. Ce sont des Féreldiens comme nous. Ils veulent sauver leur peau. Et ils nous jetteraient sans vergogne dans la gueule du loup. Incroyable. Le plus important est que tout le monde aille bien. Nous devons trouver Gamlen. Depuis toujours, Kirkwall a beaucoup d'estime pour notre famille. Lui pourra nous aider, j'en suis sûre. J'espère qu'il aura reçu votre lettre. Les gardes semblent aller au rapport auprès de cet homme. Allons-y. Notre bateau est déjà reparti. Comment sommes-nous ? C'est parti ! Retournez dans le troupeau, vous autres. Forcer le passage ne vous fera pas rentrer plus vite dans Kirkwall. Mais vous avez l'intention de nous laisser entrer ? Les canailles comme vous ne manquent pas dans les marches libres. On n'a pas besoin de réfugiés qui s'entassent ici comme un tas de fumier. Pourquoi l'accès à la cité nous est-il interdit ? Si ça ne tenait qu'à moi, je barricaderais les portes et vous iriez mendier ailleurs. Mais les ordres sont les ordres. Certains pourraient faire commerce en ville légalement. En bref, le chevalier capitaine Meredith veut vous trier. La plupart d'entre vous reprendront la mer Illico. C'est un titre de Templier. Pourquoi un garde de la cité répondrait aux Templiers ? Nous ne lui rendons pas de compte. Mais disons que c'est elle qui dirige Kirkwall. J'ignore ce qu'il se serait passé si le vicomte avait contredit Meredith. Mais il n'en a jamais saisi l'occasion. Il doit bien y avoir un dignitaire avec qui m'entretenir. C'est cela, oui. Toujours la même rengaine. Vous voulez entrer ? Voyez ça avec le capitaine Ewald. Moi, je suis là pour vous empêcher d'escalader ces murs. Est-il basé en dehors de la chanterie de Lothering ? Je ne me souviens pas l'y avoir vu. Il a servi ailleurs. Il venait à Ostagar pour me rejoindre. Connaissiez-vous tous les Templiers de Lothering ? Il le fallait. Comment aurais-je pu savoir quand je devais m'enfuir ? Vous voulez quoi ? L'argent ? Je peux... Laissez-nous passer, fichu garde de mes deux ! On ne va pas moisir ici ! Dans ce cas, remontez sur votre navire et mettez les voiles. Il n'y a plus de place pour les réfugiés à Kirkwall. Le navire est déjà parti. Nous avons payé cher pour être ici. Vous et la moitié de Féreldan,
Je ne peux rien faire pour vous, la cité déborde. L'un des gardes m'a confié que vous laissiez passer des gens qui venaient en ville pour affaires. Ouais, c'est vrai, vous avez laissé passer plein de monde, je l'ai vu. Seulement les citoyens et les marchands qui en valent le coup. J'imagine que vous n'avez pas plus d'argent que ces messieurs. J'ai laissé entrer des Féreldiens pendant des mois. Vous arrivez trop tard, la cité est pleine. Mais nous avons de la famille ici. Cela ne compte pas. J'ai entendu des milliers de plaintes de ce style, croyez-moi. Nous vous trouverons un navire pour vous reconduire à Ferelden, tôt ou tard. En attendant, restez là. Il doit bien y avoir un autre dignitaire avec qui nous entretenir. La cité est fermée sur ordre du vicomte et du chevalier capitaine Meredith, à qui appartient cette forteresse, devant vous. Mais contentez-vous de savoir qu'ici, c'est moi le responsable. Notre oncle est Gamelin Amel. Il est au courant de notre arrivée. Il existe sûrement un moyen de le prévenir. Gamelin ? Ce nom me dit quelque chose. C'est un noble de la cité. Notre famille a un domaine. Un noble ? Le seul Gamelin que je connais était un chafouin incapable d'aligner deux sous. S'il revient, je vous conduirai à lui. Mais pas le temps de... Quoi ? Vous allez les laisser passer ? Je n'ai rien dit. On poireaute depuis 4 jours, et vous, vous arrivez juste ! Trop, c'est trop ! En avant, taillez-moi ces marioles en pièces ! Faites attention ! Incroyable. Capitaine, tout va bien ? Ça va, mais pas grâce à vous. Où sont-ils tous partis ? Trouvez-les, nous ne céderons pas de terrain. Je vous remercie. Écoutez, je ne peux pas vous faire entrer en ville. La décision ne relève pas de moi. Mais je vais faire venir votre oncle ici. Trois jours ont passé. Cette attente n'a que trop duré. Je suis sûre que ce ne sera plus très long. Gamelin doit encore être à notre recherche. Et si ce n'est pas le cas ? Attendez, je crois que quelqu'un vient. Léandra, parent Drasté, le temps ne t'a pas épargné. Gamelin ! Pour être franc, je ne m'attendais pas à cela. L'enclin, la mort de ton épouse, j'espérais que tu restes à jamais Féreldienne. Oh, Gamelin, nous arrivons trop tard. Mon pauvre Carver ne s'en est pas sorti. Qu'Andrasté soit son guide. Puisse le Créateur me sauver. Léandra, ne m'inflige pas cela en plus. Je ne suis même pas sûr de pouvoir t'aider à entrer. Ça aide si je vous dis que vous êtes mon oncle préféré ? Ça me ferait plaisir, mais c'est tout. Je pensais graisser quelques pattes, mais le chevalier capitaine a décidé de sévir. Il va nous falloir plus de graisse. Mais... et le domaine ? Père a bien dû laisser quelque chose à sa mort. Oui, en parlant de la propriété, elle n'est plus, à cause des dettes. Je comptais t'en tenir informé. Alors c'est sans espoir. Pas tout à fait. Je connais des personnes capables de nous aider, à condition de ne pas être trop regardant sur la compagnie que vous tenez.
Nous n'avons pas vraiment le choix, si. Ma famille doit entrer dans Corkworld. J'ai parlé à mes contacts, et j'ai trouvé des personnes prêtes à payer votre droit d'entrée en ville. Vous et votre sœur n'aurez qu'à travailler pour rembourser votre dette pendant un an. Un an? Je ne peux rien de plus. Croyez-moi, aucun groupe de réfugiés ne trouvera meilleure opportunité où que ce soit. Donc, votre plan, globalement, c'est de nous asservir? Voyez plutôt cela comme un travail n'attendant plus que vous pour être fait. Merveilleux. J'ai convaincu mes contacts de venir vous rencontrer en personne à la potence. Miran commande un groupe de mercenaires, les Rouges-Lames. Ils cherchent des recrues. Atenril, disons qu'elle fait dans la contrebande. Ils peuvent vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller les trouver dans la cour intérieure et leur montrer que vous en valez la peine. Qu'en pensez-vous, Bethany ? Au point où nous en sommes, peu m'importe notre employeur, du moment que nous n'avons pas à tourner les talons. Quel genre d'homme est ce Miran ? C'est un mercenaire. À quoi vous attendez-vous ? Je ne l'inviterai pas à dîner, mais il a bonne réputation. Je ne lui aurais pas demandé de venir si j'avais imaginé qu'il vous trahisse. Trouvons-les, et écoutons ce qu'ils ont à dire. Oh, Gamelin, je ne sais pas trop... Cela représente beaucoup d'or, Léandra. Ne vous attendez pas à ce que notre nom ait le poids qu'il eut jadis. Et moi ? Je ne vais pas laisser les autres encourir des dettes pour moi ? Ça ne fait pas grande différence. Vous ne semblez pas être d'âme à manquer de ressources. Dans ce cas, vous nous accompagnez. Je... n'est pas vraiment le choix. Merci. Miran ? Ah, c'est vous, oncle, le neveu. Votre oncle en a fait des tonnes à votre sujet. J'espère pour lui qu'il a pas essayé de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Je suis prêt à faire mes preuves. Un noble bâtard du nom de Friedrich est ici, à la potence. Il nous a donné de mauvaises informations. Mes hommes ont frôlé la mort. Pour l'instant, ils se terrent quelque part en attendant qu'un navire arrive. S'il nous voit venir, il filera. Mais il vous connaît pas. Tuez-les, lui et ses hommes. Nous ferons en sorte que personne ne pose de questions. Vous avez jeté un œil à la cour de nouveau ? Il est encore dehors, mais seul. Il est immobile comme la pierre. Je n'en crois pas un mot. Qu'allons-nous faire quand le navire arrivera ? Attendez, qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? J'exige une réponse. Je veux écouter ce que vous avez à dire avant de prendre une décision. Miran les envoie. Pas besoin d'avoir inventé le fil à couper le beurre pour trouver ça. Et vous ? J'ignore combien vous paye ce scélérat. Mais je vous offre le double. Laissez-nous seulement partir. Tout ce que nous voulons, c'est entrer dans Corkworld. Quoi ? Je n'ai pas ce genre d'argent. J'essaie désespérément de quitter cette satanée cité. Alors comme ça, les Rouges-Lames envoient des réfugiés après nous ? Mais, sale crevure ! Tuez-les, et renvoyez les corps à Miran. Le combat est... Ah!
On a fait ce que vous vouliez. Bien. J'espère que les vautours se régaleront et qu'il finira en tas de chure dans l'océan. Bienvenue chez les Rouges-Lames. Dites à votre oncle que je m'occupe de tout. Alors ? Oui, ils ont accepté de nous aider. Je vais voir Miran pour savoir où en sont les pots de vin. Attendez-moi là. Alors ça y est, notre voyage s'achève ? L'Enclin gagne peut-être du terrain, mais au moins, nous avons un foyer. Si seulement Carver était parmi nous. Et Wesley. Occupons-nous de voir ce qui va suivre. Une longue année nous attend. C'est ainsi que le héros passa sa première année à Kirkwall. Une rumeur se propagea par-delà les mers, le héros de Ferelden avait vaincu l'Enclin. Mais il ne restait rien de Lothering. Kirkwall était devenu la nouvelle demeure du héros. Il se forgea un nom, réglant peu à peu ses dettes avec les mercenaires. Cette année-là, la cité était en effervescence et les Kunari débarquaient. Une tempête avait surpris leur navire. Une centaine de guerriers attendaient en ville de pouvoir rentrer chez eux. C'est à cette même époque que débutèrent les problèmes avec les mages. La puissance des Templiers n'avait cessé de croître sous la direction du chevalier capitaine Meredith. Mais c'est surtout à cette époque que je rencontrai le héros pour la toute première fois. Non! Par la sainte culotte d'Andraste, sais-tu combien de personnes veulent se joindre à cette expédition, humain? Nous avons entendu dire que vous alliez dans les Tréfonds. Vous aurez certainement besoin d'aide. Non! Il est trop tard, c'est terminé. C'est là le type même d'aventure qui vous forge un homme. Dis-toi bien que je ne vais pas recruter n'importe qui. Nous avons vaincu les engeances. Qui dans vos rangs peut en dire autant? Va faire la queue, humain! J'ai déjà la moitié de Kirkwall qui souhaite me compter dans ses rouleaux. Tu cherches un moyen rapide de sortir des taudis, je me trompe? Toi, comme tous les autres Ferelldiens dans ce trouar, trouve un autre ticket de rationnement. Que sommes-nous supposés faire maintenant? Nous n'avons rien pour arrêter la prochaine personne qui essaie de nous vendre. Cette expédition, c'était notre dernière chance. Nous nous sommes forgés une réputation ces derniers mois. Nous trouverons bien. Il faut pourtant. Il nous faut de l'argent et un statut afin de nous mettre à l'abri. Tant que nous sommes de simples réfugiés, nous ne sommes personne. Peut-être Gamelin connaît-il quelqu'un qui pourra intercéder en notre faveur auprès de Bartrand. Il a toujours l'air au courant de tout. On pourrait aussi lui demander. Sinon, j'ignore ce que nous allons faire. Hey ! J'ai connu un voleur qui pouvait vider le contenu de vos poches d'un simple sourire. Mais vous, vous n'avez pas les épaules pour œuvrer dans la haute ville et encore moins dans la guilde marchande. Vous devriez envisager une reconversion professionnelle. Fiche le camp. Comment allez-vous ? Paric Tetras, pour vous servir. Désolé pour Bartrand.
Il ne saisirait pas une opportunité, même si elle lui planait sous le nez. Vous, oui ? Bien sûr ! Ce que mon frère ne sait pas, c'est qu'il nous faut quelqu'un comme vous. Il ne l'avouera jamais. Il est trop fier. Moi, par contre, j'ai le sens pratique. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous pouvons aider ? Vous ne savez rien de nous. Au contraire, vous vous êtes fait une certaine réputation au cours des derniers mois. Servir les Rouges Lames, ce n'est pas rien. Non content d'avoir servi, vous avez impressionné. Ce nom Hawk est sur de nombreuses lèvres ces jours-ci. Pas mal pour un Féreldien fraîchement débarqué. Il doit bien y avoir un moyen de persuader votre frère de nous enrôler. Nous n'avons pas besoin de mercenaires, il nous faut un partenaire. À dire vrai, Bartrand s'est arraché la barbe en essayant de financer tout cela tout seul, mais c'est impossible. Investissez dans l'expédition. Si vous mettez 50 souverains, il ne pourra pas refuser. Pas si je suis là pour vous épauler. Ça m'a l'air intéressant. Mais si j'avais de l'or, je n'aurais pas besoin de cette expédition. Voyez grand. Après un enclin, il n'y a qu'un court laps de temps pendant lequel les tréfonds ne sont pas infestés d'engeances. Les richesses que vous y trouverez vous permettront de mettre votre famille à l'abri du besoin pour toute une vie. Ça ne sera pas facile, mais c'est une bonne occasion. Il faut la saisir. Essayons d'intégrer cette expédition au lieu d'attendre qu'on nous jette à la potence. On travaille ensemble, vous et moi. Et avant même d'y penser, vous aurez tout le capital nécessaire. Qu'est-ce que vous en... Marché conclu. Parfait. Kirkwall croule sous le travail. Mettez un peu d'argent de côté après chaque travail, et vous aurez l'argent en un rien de temps. Peut-être Aveline nous trouverait-elle du travail ? Elle fait partie de la garde civile à présent. Parlons donc en privé à l'occasion. Peut-être à l'auberge du pendu. J'y serai si je ne suis pas avec vous. Bon, voyons le tas de fumier qu'on peut renverser. Gardez un œil sur votre argent, Hawk. Il y a plus de vide goussé dans la haute ville que partout ailleurs dans la cité. Garavo, on ne veut pas d'ennui par ici. Hawk, ça fait une éternité, camarade. Vaillant, quand êtes-vous revenu en ville ? Oh, il y a un mois à peine. Ça n'a pas marché comme je voulais, à Orgzamar. Toujours avec les Rouges Lames ? Vous étiez à leur côté il y a tout juste un an, n'est-ce pas ? J'envisage de me reconvertir dans l'exploration. C'est ce qu'on m'a dit. Bartrand est une carne, mais une carne bien informée. Une carne ? Le mot est faible. Je vais vous dire, j'ai gardé mes anciens contacts. Si vous avez besoin qu'on vous fabrique une rune, n'hésitez pas. Bonne continuation, Hawk. N'allez pas vous faire tuer. Vous n'avez pas l'air d'aimer vos... Y a-t-il des choses à porter de nos bourses ici ? Vous n'avez jamais eu envie de vivre à Orzammar ? Par les ancêtres, non ! Vous avez déjà vu Orzammar ! Des tunnels étroits, recouverts de crottes de cochards et où flotte une odeur de dessous de bras. Et là-bas, tout le monde se croit meilleur que vous parce que votre arrière-arrière-arrière-grand-père a construit une horloge hydraulique ou je ne sais quoi. Mais c'est votre peuple. Vous ne vous demandez même pas comment ça pourrait être ? J'ai beaucoup d'imagination. Pourquoi la gâcher avec des choses pareilles ? Tiens, tiens, mais c'est Hawk. C'est un plaisir de vous revoir, Élégance. Dame Élégance, je vous prie. Je suis une femme mariée à présent. Lors de notre dernière rencontre, vous étiez toujours au service de cette brute de Myrane. Tout se passe bien depuis ?
Ce n'est pas toujours évident, mais dans l'ensemble, je ne me plains pas. Ravi de l'entendre. Vous vous souvenez peut-être qu'il m'est arrivé de procurer des potions au Rouge Lame. Je vous rendrai volontiers le même service, si tel est votre désir. Tout ce que je vous demande, c'est de m'informer de vos découvertes en matière de réactifs. En échange, je vous servirai d'intermédiaire auprès de mes contacts. Et bien sûr, il vous faudra les recettes appropriées, telles que celles-ci que je vous offre en souvenir du bon vieux temps. Approchez, brave Jean ! Salut mon ange. Difficile de croire qu'il ne m'ait rien laissé. Eh bien, Mère était plutôt furieuse quand vous avez fui avec votre apostat, Ferelddien. Je suis toujours sa fille. Sa fille aînée. Vous ne craignez donc pas les apostats? Pas même un petit peu? Beauté, je suis un nain, au cas où vous auriez manqué ce détail. Les nains ne sont pas totalement immunisés contre la magie, vous savez? Non, non, non. Je veux dire qu'il y a bien une trentaine de personnes dans cette cité prêtes à assassiner ma famille pour des histoires d'affaires. Qui a le temps de s'inquiéter des apostats quand toute une guilde des marchands est sur son dos? En effet, je vois.
Quelqu'un a laissé un message pour vous. Il est sur le bureau. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de l'ouvrir avant vous. Quoi ? C'est faux ! Je craignais qu'il ne renferme quelques pièges. Il n'était pas comme ça, Lothering. Les champs lui manquent sûrement. Tu n'es pas fait pour la vie citadine, pas vrai? Le pauvre petit. Peut-être qu'il serait plus heureux si nous le prenions avec nous plus souvent.
Mais s'il vient avec nous, qui va repousser les créanciers qui harcèlent ce pauvre Gamelin ? Prenez-le, je n'en peux plus de voir ce sale cabot me fixer en haletant. Gamelin, les Mabari comprennent très bien notre langue. Appelez-le par son nom. Quoi ? Ce n'est pas bien un chien ? C'est facile à retenir en plus. Mes enfants vivent dans la servitude depuis une année. Une année ? Ils devraient faire partie de la noblesse. Si les souhaits faisaient voler, on passerait notre temps dans les airs à rêver. Mince. C'est donc vrai ? Pas étonnant que j'ai du mal à me réveiller. Je croyais que le Féreldien avec lequel tu t'étais enfui était un mage, pas un bouffon. Votre mère était censée épouser le comte de Lancey, mais elle a préféré s'enfuir avec un apostat féreldien. Inutile d'espérer recevoir la moindre faveur après ça. Où est le testament de père ? Si je pouvais seulement mettre la main dessus. Il n'est pas ici, c'est sûr. Il a été lu et il est retourné dans le coffre. Personne n'a eu besoin de le relire. Je vous en prie, mon oncle. Nous avons le droit de savoir. Peut-être. Mais vous ne verrez pas ce maudit document. Il est toujours conservé au domaine, et ce n'est plus de mon ressort depuis bien longtemps. Vous êtes parti sans le testament de vos parents ? C'était de l'histoire ancienne. Vous pensez que je suis resté assis là pendant 25 ans à attendre que Léandra remonte la pente ? Qui a acheté le domaine, Gamelin ? Je pourrais peut-être aller les voir. C'était les Reinhardt, non ? Personne que tu connais. Il faut y faire, ma sœur. Tu es dans la basse ville pour de bon. Je n'aime pas critiquer la famille, mais vous n'avez pas trouvé oncle Gamelin un peu suspect lorsqu'il a évoqué le testament de grand-père ? S'il avait, disons, placé une somme censée revenir à mère, croyez-vous qu'il nous le dirait ? Je refuse de croire que le propre frère de notre mère s'abaisserait à l'escroquer. Depuis qu'elle a appris par Gamelin que ses parents étaient très en colère à cause de notre père, mère est au 36e dessous. Elle m'a même avoué qu'elle aurait préféré mourir aux côtés de Carver. Venir ici semble avoir anéanti tous ses bons souvenirs d'enfance. Si seulement nous pouvions les lui restituer, même partiellement. Après cette expédition dans les Tréfonds, nous pourrons racheter sa maison et nous installer dans la haute ville. Gamelin aurait cédé le domaine à un esclavagiste qu'il avait battu au dé. Le domaine familial semble servir à présent de QG aux esclavagistes venus de tout Edas. Comment Gamelin a-t-il pu laisser faire ça ? Si vous voulez mon avis, ce n'est pas pour rien que Mère nous a rarement parlé de lui. Trêve de plaisanterie. Ces minables n'ont aucun droit sur notre héritage familial. Introduisons-nous dans le domaine et récupérons le testament qui est destiné à Mère. J'ai déjà évoqué cette possibilité. D'après Gamelin, l'entrée principale est bien gardée. Mère m'a donné son ancienne clé. Elle a dit qu'elle devrait ouvrir la porte de la cave. Apparemment, les égouts passent juste sous la maison.
Finissons ! Sans vie ! Halt, Shemlen! Votre espèce n'est pas la bienvenue parmi les Dalassiens. On m'a remis une amulette destinée à un certain Maretari. Comment connaissez-vous ce nom? Attendez, c'est celui dont a parlé l'archiviste. Un Shemlen? Je pensais que ce serait un elfe. Entrez dans le camp. L'archiviste Maretari vous attendait. Ne créez pas d'ennuis, ou vous aurez affaire à nos lames, étrangers. Maretari, on m'a demandé de vous apporter cette amulette. Andaranatishan, voyageur. En effet, je suis l'archiviste Maretari. Laissez-moi vous regarder. Votre visage est empreint de vérité, chose rare chez un humain. Dites-moi pourquoi vous portiez ce fardeau, mon enfant. Le propriétaire de cette amulette a sauvé ma famille de l'enclin. En retour, j'ai accepté de vous la porter. J'honore votre venue, mais j'ai peur que votre mission ici ne soit pas finie. L'amulette doit être amenée à un hôtel au sommet de la montagne. Là, elle doit être l'objet d'un rituel dalassien accompli pour les défunts. Ensuite, vous devrez me ramener l'amulette. Si vous faites cela, vous vous acquitterez de votre dette. Allez-vous m'enseigner ce rite pour les défunts? Je vais envoyer ma première avec vous. Elle s'occupera du rituel. Et lorsque vous aurez fini, je dois vous demander de l'emmener avec vous. Si c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce qu'elle veut. Meryl vous attend sur le sentier dans la montagne. Dar-e-Shiral.
faites ce que vous avez à faire. L'artisanat d'Alavitien n'a pas d'égal, je vous le garantis. Je n'avais pas entendu. Vous devez être la personne dont m'a parlé l'archiviste. Alnethara, je suis désolée. Je ne vous ai pas demandé votre nom. À moins que ce ne soit déplacé de demander le nom d'un humain. Je suis Meryl, mais vous deviez déjà le savoir. Je m'égare, désolée. Mon nom est Hawk. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Meryl. Merci. J'ai bien peur de ne pas être très habituée à votre espèce. L'archiviste a dit que vous veniez de Ferelden. J'ai passé une grande partie de ma vie là-bas. Nous ne sommes ici que depuis quelques années. Vous vivez dans les marches libres depuis longtemps? Vous vous plaisez ici? Je vis à Kirkwall depuis un an maintenant. C'est l'endroit idéal pour prendre un nouveau départ. Vraiment? J'espère que vous avez raison. Nous devrions y aller. Vous faites ça pour achaber Lanar. Il n'est pas sage de la faire attendre. Vous connaissez la sorcière qui m'a demandé de venir ici? Non, pas personnellement. En revanche, mon peuple raconte des histoires à son sujet. Vous avez beaucoup de chance. La plupart des gens qui rencontrent Achabé Lanar finissent en morceaux, pendus aux arbres. Finissons-en. L'archiviste ne m'a pas dit que vous étiez une mage. Les archivistes ont des bases d'anciennes magies. Les histoires racontent que chaque Elvenan avait autrefois un don. Mais comme bien d'autres choses, cela s'est perdu. Le rôle de l'archiviste est de nous rappeler, de restaurer ce dont nous sommes capables. La chanterie est-elle au courant pour les mages d'Alassien? Oh, ils le sont. L'archiviste Maretari m'a confié un jour que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne campons jamais trop longtemps au même endroit. Ils ne nous poursuivent pas si nous restons hors des cités et des villes, et que nous ne nous arrêtons pas. Et cela ne gêne personne d'avoir à tout rassembler et partir encore et encore juste pour protéger un petit nombre d'entre vous? Pourquoi cela les gênerait-il? Une fois que nous avons choisi un terrain de chasse, il n'y a plus aucune raison de rester. Mais mon clan fait face à un plus grand danger depuis que nous avons perdu notre halle. Si vous allez à Kirkwall, vous serez un apostat dans une cité pleine de Templiers. Je sais, mais si je n'y vais pas, je serai seule. Une elfe solitaire est une proie facile. Dans la cité, je peux me perdre dans la foule. Je me réjouis que vous soyez intervenue. Oh, je vous en prie. Je n'étais pas sûre d'être très utile. Je me suis déjà battue, mais j'étais seule. J'essaierai de ne blesser personne. De notre côté, je veux dire. Je bafouille encore. Allons-y. Le combat est... Yeah!
L'archiviste a enfin trouvé quelqu'un pour vous emmener loin d'ici. Oui. Alors, finissez vite votre tâche, humain. Nous avons hâte de nous débarrasser de celle-là. Mmh. Il y a une histoire là-dessous. Ma décision est prise. Et je sauverai notre clan, peu importe ce que vous pensez. Que se passe-t-il ici, Meryl ? Rien. Juste de l'ignorance. Nous devrions y aller. Je suis désolée. Vous n'avez pas vu la fine fleur des Dalassiens. Nous sommes un peuple bon, qui protège les siens. Enfin, pas aujourd'hui, apparemment. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? C'est gentil de demander. Tout va bien. Bien que mon peuple n'apprécie guère mes efforts, je dois en venir à bout. Allons-y. Ashabelanar n'est pas réputé pour sa patience. Le combat est... Plaisir.
Je peux trouver une solution. Un instant. Le voilà bougé. Vous avez invoqué quelque chose ici. Vous avez perdu l'esprit? Oui, c'était de la magie du sang. Mais je sais ce que je fais. Les esprits nous ont aidés, non? La barrière est certainement tombée. Il y avait sans doute une alternative moins dangereuse. Prudence là-haut. Les hauteurs abritent des choses étranges. À l'époque d'Arlatan, les anciens venaient dormir ici. Ils appelaient ça Utenera, le rêve sans fin. Mais ils ne dorment plus paisiblement. Déposez l'amulette sur l'autel et je commencerai le rite. Aharen Namelana Salin. Ema Iraberas Suviranan. Isalahamin Venanim Torfiras. In Uthenera, Narevas. Nous y voilà. Andara Natishan, à Shabelanar. Voilà une représentante jeune et brillante. Me connaissez-vous au-delà de ce titre? Je n'en sais que peu. Alors, debout. Les gens mettent genoux à terre trop facilement. Il est bon de voir que certains sont capables de tenir leurs promesses. Je voyais déjà l'amulette au fond de la poche d'un marchand. J'ai accepté de transporter l'amulette, mais vous auriez pu me dire que vous étiez dedans. En partie. Mais une partie dont j'avais besoin. Un gage de sécurité, si l'inéluctable devait se produire. Et connaissant ma Morrigan, c'est déjà fait. Suis-je censé la connaître? C'est une jeune femme qui sait mieux que tout le monde ce qui est mieux. Et pour cause. Je l'ai élevée ainsi. Je ne peux attendre moins d'elle. Je n'arrive pas à savoir si elle est votre fille ou votre ennemie. Elle non plus. Vous complotez quelque chose, n'est-ce pas? Le destin nous attend, cher enfant. Nous avons fort à faire. Un dernier conseil, avant que je ne parte. Nous nous tenons au bord du précipice du changement. Le monde craint sa chute inéluctable vers les abysses. Observez pour le moment, et le moment venu, sautez sans crainte. C'est seulement en tombant que vous saurez vraiment si vous savez voler.
Que dois-je faire? Faites comme moi. Devenez un dragon. Vous ne serez jamais un dragon. Cela vaut aussi pour vous, mon enfant. Il n'y a pas de chemin plus sombre que celui que l'on suit, les yeux fermés. Maceranas, Achabelanar. L'heure est venue pour moi de partir. Je vous témoigne ma gratitude et ma sympathie. Maceranas, mon enfant. Votre dette est réglée. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis, Dalen. Dareth Shiral, archiviste. Je suis prête. Allons-y. Elgarnan. Est-ce vraiment l'endroit où vivent les elfes? Ce n'est pas le plus beau quartier de Kirkwall, mais vous n'avez pas une vue sur les chaînes géantes, c'est déjà ça. Je ne pensais pas que ce serait si... si... Je n'ai jamais vu autant de personnes en un même lieu avant. On doit s'y sentir seul. Vous me connaissez déjà. Vous vous ferez d'autres amis bien assez tôt. Je vous remercie. Merci pour tout. Pour votre aide. Vous viendrez me rendre visite? Pas maintenant, bien sûr. Mais peut-être plus tard? J'aurai bien besoin de compagnie. Ça me plairait, Meryl. Merci. Je dis trop merci, n'est-ce pas? Mais je le pense. Je pensais pas vous voir. Je vais vous donner quelque chose de propre pour vous asseoir. Je vous apporte à boire ou à manger? J'ai de l'eau. Je suis là pour vous, Meryl. Nul besoin d'être aux petits soins avec moi. Vous faites preuve de tant de bonté. Je reçois pour la première fois et je fais une hôte exécrable. Je voulais vous remercier de m'avoir amené ici, mais je fais n'importe quoi. Vous êtes trop bonne, Meryl. C'est faux, je vous jure. Si les bonnes intentions suffisaient, tous les habitants de Tedas seraient heureux. Je ne me suis pas vraiment fait d'amis. Pas même au sein de mon propre clan. C'est...
délicat. Vous avez l'air de commencer à vous en sortir. Ravi que vous le remarquiez. Merci de m'avoir rendu visite, Hawk. Ça représente beaucoup pour moi. Merci beaucoup de m'avoir aidé tout à l'heure, Varric. Vous êtes rentré au parc Cloître en un seul morceau, alors? Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à Sombre Rue. Il y a tellement de ruelles à Kirkwall. Vous avez encore cette bobine de ficelle? Je l'ai laissée chez moi. Ne vous inquiétez pas. Je ne me perdrai pas tant que nous suivrons Hawk. Pensez-y la prochaine fois, Daisy. Juste au cas où. Bodan Fedic, pourvoyeur de biens rares et moins rares, pour vous servir. Et voici mon fils Sondal, l'un des meilleurs enchanteurs s'il en est. Dis bonjour à l'humain, Sondal. Bonjour.
Nous allons vous accompagner lors de votre expédition et vous fournir en matériel. N'est-ce pas passionnant, ça? Vous n'avez pas peur de vous aventurer en un si dangereux endroit? Pas avec une telle escorte. Mais je m'éloigne du sujet. Vous voulez voir mes articles ou admirer les talents extraordinaires de Sondal? Enchantement? Tout juste. Je croyais que les enchanteurs étaient tous mages. Pas tous. Leur résistance légendaire à la magie a permis aux nains d'enchanter des objets pendant des siècles. Formé, un forgeron nain doit travailler des années pour acquérir la technique, mais mon gars a ça dans le sang. C'est un génie hors pair. J'aime l'enchantement. Il adore ça! Que demander de plus? J'aimerais voir ce que vous avez. Mais certainement, jetez-y un œil quand bon vous semble.